Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo... Défi challenge. Non, surprise. J'ai reçu ma matos box, et on va essayer de deviner les yeux bandés, chacun notre tour, Mister Lego 1268 et moi-même, ce qu'il y a dedans. Alors, logiquement, ce sont des vieux jeux, hein. C'est Matos Endgame à Rouen, si je ne me trompe pas, qui fait ça. Ça coûte 15, 20 ou 30 euros selon le format que vous choisissez. Moi, vous me connaissez, je suis un gourmand, j'ai pris tout de suite la box à 30 euros, en espérant avoir du lourd, du très lourd. On verra bien ce qu'il y a dedans. Logiquement, c'est des jeux vidéo variés. Vraiment, ça peut être de tout. Il y a de l'import, il y a des jeux sur tous les supports possibles et imaginables. Il y a des petits goodies. Logiquement, il y a un paquet de bons becs hein, dedans. J'ai déjà mis mon masque. Et je vais me masquer les yeux, moi aussi. Et on va choisir chacun son tour. Alors... Madame va essayer de nous aider pour prendre la boîte. Elle est là, oui. Tu peux faire le tour si tu veux. Et tu fais piocher Alexandre, enfin Mister Lego 1268 d'abord, pour qu'il essaye de deviner ce que c'est. Donc, pour vous dire... Je l'ouvre et puis vous mettez la main là. Vous ne voyez pas, mais on a tous les deux un masque de nuit sur les yeux pour ne pas voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment à l'aveugle. Oui, et vous avez entendu pour la toute première fois, Madame. Voilà. T'as pris quelque chose? C'est bon? T'as... Non. Non. Qui commence? Bah toi. Ok. Vas-y, plus loin. Déjà, il faut que je trouve la boîte. Voilà. Ça, je parierais un jeu Game Boy, c'est sûr. Alors, Mister Lego 1268 dit que c'est un jeu Game Boy. Moi, je suis là. Alors, ça, ouais, c'est un jeu. Alors, on vous montre. Hein. On peut enlever les masques. C'est un jeu Game Boy. Maintenant, le titre, à ton avis, Mister Lego 1268. Wario Land. Non, je pense pas que ce soit un jeu aussi connu. T'as enlevé ton masque? Non. Alors, je montre à la caméra. Moi, je dirais un jeu genre Tom et Jerry, Titi et Gourminet. Ou alors, ce que j'aimerais bien aussi, c'est Yoshi Cookies. Mais bon. Attention, on regarde, à trois, on enlève le masque. 1, 2, 3. Je vois rien, moi. Et c'est... Titus. Ah, Titus! C'est... Oh, c'était l'emblème d'un des jeux de jeux vidéo. Il construisait des jeux vidéo. Titus, si je ne me trompe pas, il faisait des jeux vidéo sur mon CPC 464. Alors, j'avoue que je ne connais pas du tout le jeu. Ah ouais? Mais c'est un jeu Game Boy. Et moi, j'adore les jeux Game Boy. On le testera sur la Game Boy... Ouais. Super Game Boy. Attends. Et je tiens à signaler que vous n'avez pas fermé la boîte. Non. Heureusement que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la boîte. Moi non plus. Moi j'ai Allez, essayé. Mister Lego, ah, c'est moi que je choisis. Ouais. Après, tu devines toi. Ah, je prends le premier, voilà, premier venu. Oh ça, moi je sais ce que c'est. Alors je montre à la caméra hein, pour que tout le monde puisse le voir. Mais ça, c'est pas dur. Hein. Vu que là, ici, il y a une encoche. Je vais laisser quand même Mister Lego 1268 deviner parce qu'à mon avis, il saura pas. Tiens, je vous donne. Super Nintendo. Non. Oh NES. NES, oui, c'est un jeu NES. Notre premier jeu NES, on n'en a jamais eu. Bon, on n'a pas la NES, mais on en voulait un. Alors maintenant, devinez le titre. Attends, Ali, Mister Lego 1268. Ah, c'est pas un bon Super Mario, mais c'est un jeu. Non, à mon avis, c'est un vieux jeu, un jeu genre. Alex Kidd, allô. Non, Alex Kidd n'existait pas sur NES. Non, sur la NES, il y a les Mario, il y a les Castlevania, il y a les Tortues. Castlevania. Non, mais ça, c'est des jeux beaucoup trop cotés. Il y a Paper Boy. Bah, c'est Paper Boy, alors. Paper Boy. Elle a dit, c'est Paper Boy. On enlève. Ferme la boîte, maman. Ouais, attends, je vais cacher, vas-y. Vas-y, enlève ton masque, j'enlève le mien, je vois rien. Approche. Quoi? Mais quoi, mais... Ah, Super Mario, excellent, on l'avait pas, celui-là. Mais quoi, mais c'est impossible. C'est excellent. Mais et moi, je vais... Je le savais. Et moi, je vais commander une autre box, hein. Deux jeux, deux que j'aime. Merci, Matos Endgame. Oh, excellent. Non, Mario Bros, on s'y attendait... Oh. Oh, on s'y attendait même pas, en plus. Ouais. Bon, après, comme dit, on sait pas s'il fonctionne, mais en tout cas... Ouais, mais... Oh hey, collectionneur. Deux jeux, je suis satisfait. Moi, un jeu, je suis satisfait. On y retourne. On se cache les yeux. Allez, vas-y. J'ouvre la boîte. Ouvre la boîte et serre-toi. Oh, ça, c'est un sous-blister. Ah, sous-blister. Mais. Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je dirais un CD. Un CD je suis là. Oh, mais. Arrête de me toucher. Bah, pour te dire où je suis. Oh, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Alors, on va te montrer à la caméra déjà. Voir. Je sais pas si je vous montre bien, parce que, comme dit, j'ai les yeux masqués. Hein. Alors, c'est un jeu en CD. Alors, est-ce que c'est un jeu ou une bande originale? Je sais pas. Parce que si c'est un jeu en CD comme ça, ça peut être sur CDI, mais ça m'étonnerait que Sylvain ait mis un jeu sur CDI en blister. Qu'est-ce que ça peut être? On enlève les masques? Ouais, à 3. 1, 2, 3. Quoi? Ah, c'est un jeu en japonais. Ah ouais, on connaît pas les jeux japonais. Et c'est sur quelle console? Est-ce que tu peux lire, toi? À mon avis, c'est même pas un jeu. C'est un CD, c'est un film. Vidéo CD, c'est marqué là. Ici, vidéo CD. Bah, c'est sur quelle console?
Si quelqu'un connaît, si quelqu'un peut nous dire sur quelle console c'est, ça m'intéresse. Je les mets comme ça. Parce que là, du coup, peut-être que Nemkocho saurait, lui. Ouais, faudra là, demander. C'est sous blister. Alors, on va pas l'ouvrir, hein. On va laisser comme ça. Ouais. On va le garder. Vidéo CD. On dirait Non, on dirait Naruto. Bah, c'est un manga japonais. Ouais, c'est sûr. Eh ben, je sais pas ce que c'est, mais je suis content. Mais oui. Sylvain, je vais te commander une autre box, je te le dis, Mi. Ouais. Vas-y. On masque les yeux. Et ben, c'est à moi de choisir. Ouais, c'est à toi. Alors, la boîte, elle est là. Alors, maman m'a dit qu'il y avait logiquement 6 jeux dedans, je croyais. C'est ça, hein? Non, 5 jeux, une figurine ou un goodies. Alors, ça, je le montre à la caméra. Je dirais que je sais ce que c'est, mais je vais d'abord laisser Mister Lego 168 deviner. Ça, c'est un jeu GameCube. Non, j'aurais dit PS2 ou Xbox. Ok, et plus Xbox. On enlève le masque? Ouais, à 3. 1, 2, 3. Mets-le devant la caméra. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, c'est GameCube! En plus, c'est les Sims. Ah, génial! D'ailleurs, on n'a pas regardé. Hop! Il est complet. Notice, jaquette. Oh, bah ça va être pour. Alors, comment on peut vous appeler, madame? Comment on peut vous appeler? Il se ménage! On m'appelle pas. Bah, ça sera pour on m'appelle pas. Voilà, son nom, c'est on m'appelle pas. Elle adore tout ce qui est simulation. Bon, elle jouera pas, mais on l'a dans la collection. Et moi, je suis super satisfait. Ah ouais, en plus, c'est notre Sims. C'est à qui de piocher? C'est à moi? Non, c'est à toi. C'est à moi. Attention, on y retourne. J'ai le masque. Attends, elle est où là encore? Vas-y. Bon, bah ça, je sais qu'est-ce que c'est. Ah, bah t'as pris un truc, tant pis, c'est quoi? Attends, je vais venir. Moi, j'ai dit que c'est des Dragibus. T'as montré à la caméra? Non. Allez, 3, 2, 1. Eh, des Dragibus! On va s'en mettre plein la manche. C'est déjà taxé par eux, on n'appelle pas. Allez, ferme tes yeux. Et on y retourne. Ah, j'en ai un là. Alors, je vais montrer à la caméra ce que c'est. Ah, je sais pas si vous voyez bien, parce que... Là c'est... Tiens, essaie de deviner ce que c'est. C'est un jeu Xbox. Non, PS2 non. PS2. Vas-y, mets dans la caméra. 1, 2, 3, hop. Oh bah... Ah non, c'est un jeu PC ça. Ça c'est un jeu PC. Ah oh, bah ça c'est nul. Oh là là. Attends. Un jeu PC. Ouais, c'est un jeu PC, non, on ne les collectionne pas, mais c'est pas grave. On mettra de côté. Premier jeu PC. Hop. Allez. Et le dernier, c'est pour toi. Le dernier, c'est pour moi? Bah, moi, je viens de choisir, non? Ah ouais, c'est vrai. Allez, vas-y. À moi qui a encore quelque chose? Moi, je dirais un jeu PS2. Ah, vas-y, donne. Oh, c'est gros. C'est gros. Enfin, on va montrer à la caméra. Alors, on enlève le casque. 3, 2, 1. J'ai un jeu PS2 aussi, ouais. Un jeu PS2. Oh. Celui-là? WRC Extreme 2, tu l'as? Non. Attends, c'est à moi de choisir le dernier. Attends. Ah ouais, il y a encore. C'est encore chose. À moi de choisir. C'est à moi de choisir. Il y a encore quelque complet. Chose. Hop. Et donc, le dernier truc, j'en mets mon masque. Moi aussi. Ah, ben, ça glisse. Non, il y a encore deux trucs. Il y a encore deux? Ouais, il y a encore deux trucs. Un jeu vidéo? Ouais, moi je prends le truc qui n'est pas jeu vidéo. Alors, il faut trouver ce que c'est. Ah, c'est rigolo. Ça va me plaire. C'est quoi? Je sais pas, mais ça va me plaire. C'est un truc. Attends, là, je montre à la caméra pour que tout le monde le voit. Moi je vois pas. Ah, oh, Nemkocho, il est fort, genre de truc. C'est quoi? Ah, c'est une figurine. Je dirais un lapin crétin ou un Pikachu. Il y a deux grandes oreilles, là, non? Attends, tiens, je te donne. Vas-y, fais deviner. C'est une figurine de quelque chose. Oui. T'as raison, papa, c'est Pikachu. C'est Pikachu, tu dis ça? Oui. 1, 2, 3, go. Ouais. Hey, Je suis fort. Bah, ça, ce sera pour Adam Gamer. Ouais, ça, c'est pour Adam Gamer, direct. Direct. Il a pas voulu faire une vidéo avec nous. Bon, tant pis pour lui, hein. Mais on lui donne quand même. Hop, Adam Gamer, c'est pour toi. Le dernier truc, c'est pour toi. Merci. Vas-y. Ouais, c'est un jeu DS. Ah, mais lequel? Quel jeu DS ça peut être? C'est méchant. C'est pas un Mario. Tiens, donne-le-moi. C'est pas un Mario, c'est un Dr. Kawashima. DS ou 3DS? DS. Non, connaissant Sylvain, c'est un jeu pour les filles, je pense. Je montre à la caméra quand même, je sais pas si vous voyez bien. Mais je dirais Bratz, Girls ou un truc comme ça. Allez, ou Barbie. Ou, non, l'autre, là, Léa Passion Vétérinaire. Nintendo. 1, 2, 3. Ah, mince, vous voyez pas. Et c'est, bah, je connais pas, Rune Factory. Ouais, et il y a encore quelque chose? Non, il y a plus rien, je crois. On va voir. Ah, eh ben, moi, je suis content. Ouais, moi aussi. Je suis content aussi de retrouver la vue, parce que, mine de rien, j'avais pas mes lunettes. Et ben, voilà. Alors, donc, allez voir sur la chaîne, quand vous avez on a eu quoi des lunettes. Donc, là, 30 euros, on a eu. Mario sur NES, on a eu Titus. Oula. Ah, pourquoi t'as touché la caméra?
Ouais. Titus, on a eu le Pikachu qui est parti avec Adam Gamer. Tu feras une coupure ou pas? Non. On a eu le jeu de PC. Vous avez vu le bras de On m'appelle pas. Voilà, le bras de On m'appelle pas. La cartouche de Rune Factory, que je connais pas du tout, donc c'est pas un jeu de filles apparemment. Et le truc inconnu. Donc on a en tout... Ah bah il y a ça. Et les bonbons. Et les bonbons aussi. Les bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec les bonbons. 9 trucs. Et c'est On m'appelle pas qui les a pris. Et ben bah moi, je vais vous dire, franchement, bah moi... merci Sylvain. Ouais, le jeu que je veux absolument, c'est celui-là. Ah ouais. Non, mais moi je vais tester Titus. Tu le veux dans ta collecte? Non, non, tu peux le garder toi. Moi, je vais garder Titus. Ah ouais? Titus, je vais tester. Franchement... Par contre, bah, en plus, après... elle est nickel, la cartouche. Hein. Bah, comment tu veux tester si elle fonctionne ou pas? On n'a pas la NES. Donc voilà, comme dit, si vous voulez donc acheter ce genre de box, n'hésitez pas à le contacter. Il a un Messenger, il a une boutique à Rouen. Je vais vous mettre un lien aussi dans la vidéo en dessous. Vous pourrez y aller, il n'y a pas de problème. Et là, c'est le format donc, que j'ai pris moi à 30 euros. Mais sachant qu'à chaque fois, les contenus varient. Hein. Vous pouvez avoir des jeux plus anciens. J'ai vu que Sony Adventure, lui, avait eu un jeu CPC 464. Ça, j'aurais adoré avoir. Malheureusement, je n'ai pas eu. Mais voilà, vous pouvez avoir vraiment tous les formats. Hein. Atari, Videopack, il y a vraiment de tout. Bon, par contre, on n'aurait pas PS5, Xbox Series X ou des trucs comme ça. Ça peut pas arriver non plus. Hein. C'est du rétro, on est d'accord. Bon, bah donc, voilà, les gars, je vais m'en aller. Moi, je suis bien content. Salut. Je pensais pas être déçu. Ben, je suis pas déçu. J'ai un jeu GameCube, j'adore la GameCube. J'ai un jeu DS, j'ai un jeu Nintendo NES. Mon bon, premier, bah, salut, les mon gars. Premier. J'ai 42 ans, j'ai jamais eu un jeu NES entre les mains. C'est mon premier. Moi aussi. Et puis Titus, que je suis impatient de tester. Voilà, bon, bah, écoutez, voilà les gars, je m'en vais, salut. N'hésitez pas à contacter Sylvain si ça vous intéresse. Comme dit, les formats, c'est 15, 20 ou 30 euros. Il fait des envois parce qu'il est à Rouen, moi je suis en Alsace, donc croyez-moi que ça fait loin. Et puis, bah, je suis bien content d'avoir eu tout ça et je suis impatient d'en commander une deuxième. Il va falloir que je négocie avec Chut Chut, on n'appelle pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne journée à tous. Ciao, ciao, ciao.